Assise dans ce marché, cette malvoyante explique comment elle a contracté cette maladie au cours de sa vie. Je n'ai pas venu comme ça. J'ai commencé à coucher de l'enfant. Après, le maladie, elle m'a attaqué. Il y a 10 ans. C'est 10 ans, je ne vois pas. Vendeuse de plusieurs articles, elle souligne comment elle fait la différence entre les différents billets de la monnaie guinéenne et les difficultés rencontrées dans son commerce. Si je rentre de l'argent, je vais donner mon mari. Il va partir de mosquée pour faire la monnaie pour moi là-bas. Si il vient, il va me donner ça. Avec mon enfant, il va dire que maman, ça c'est 500, je vais mettre quelque part. Elle va dire ça aussi c'est 1000 francs, je vais mettre quelque part. Et le 2000 aussi, je vais mettre quelque part. Mais je vais garder ça, mon esprit quoi. Si je garde ça, si je viens, maintenant je vais mettre 10 000. Tu as vu? Il y a des 10 000 ici. Je mets des 10 000 ici. Ça c'est 10 000. Bon. Ça aussi. C'est 20 000. Ça aussi, c'est 20 000. Ça, je vais mettre le 20 000 ici. Ici aussi, je vais faire la monnaie. Je mets le 500. Ici, tu as vu le 500. Bon. Si les gens viennent, ils vont me demander, dis que je veux ça. Si je n'ai pas compris ça, je vais donner à quelqu'un, je vais demander, je vais dire, madame, c'est combien? Elle va me dire ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, elle fait me voler ça. Elle donne 10 000, elle va dire ça, 20 000. Il y a beaucoup de gens qui m'ont donné ça, mais je n'ai pas découragé. Parce que pour sortir, pour promener, faire tout ça, bien des genoux, ça ne me plaît pas. Avec le sang aussi, c'est les gens qui prennent le poids pour me donner le riz. Si je finis vendu, je vais garder tout l'argent. Si mon enfant est bien, je vais le donner. On va faire le compte. Mais je vais rembourser l'argent. Mère de famille de 6 enfants, elle lance un appel aux autorités et aux personnes de bonne volonté pour une assistance humanitaire. Mon mari a l'air là, il ne travaille pas. Avant, il travaille à l'air là. Parce qu'à l'air là, je n'ai rien. Même à l'air là, il y a beaucoup de... L'argent là, il a perdu beaucoup de pouvoir. À l'air là, je n'ai rien. Mais je ne peux pas m'asseoir. J'ai quitté à la maison pour me débrouiller. À l'air là, je n'ai rien, l'argent. Si les gens m'ont pitié pour moi, je vais prier de Dieu. Tous les jours, je vais prier de Dieu. Et la situation, là, si je gagne l'argent, le mouvement, je vais rentrer à la maison pour m'asseoir là-bas. Parce que à l'air, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Nige Adamadi et Malima, et là-bas, à la rafira. Mais donc, on a à la machine de Féné. Nous avons fait que 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 nous avons fait Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Il faut rappeler que cette malvoyante est média afin d'apporter une information sur son état de santé.